Mon corps, mon choix, c'est le slogan de cette manifestation. Plus d'un millier de personnes défilent dans les rues de Saint-Louis pour défendre la dernière clinique de l'État du Missouri à pratiquer l'avortement. Ça brise le cœur. J'ai l'impression qu'on fait un million de pas en arrière dans l'histoire en ce moment. Nos ancêtres ont été oppressés, elles se sont battues, sont allées en prison pendant des générations pour se battre pour nos droits, seulement pour qu'on nous les retire. Sauf décision de justice de dernière minute, la clinique devrait perdre sa licence d'exploitation ce soir, car pour les autorités locales, l'établissement n'a pas coopéré dans une enquête administrative ouverte suite à la détection de lacunes. En plus de la clinique, les manifestants sont en colère contre une loi adoptée la semaine dernière par le Missouri qui interdit aux femmes d'avorter après la 8e semaine de grossesse. Le gouverneur du Missouri ne sait rien du corps des femmes. Il ne sait rien des cycles menstruels. Il ne sait rien de ces femmes qui doivent subir 9 mois de grossesse d'enfer. Signer cette loi ou faire ça à la clinique, c'est mal. Et il peut aller en enfer. Il y a quelques jours, le gouverneur républicain du Missouri, Mac Parson, s'est félicité que son État ait atteint le plus bas niveau historique d'avortement, passant de 20 000 à 3 000 IVG par an.